Schatz, es gab doch jetzt die Frische. Neu, Brise frisch, blau, kraftaktiv, mit Geruchsstoff. Die blaue Reinigungskraft stoppt üble Gerüche für eine frische Toilette. Neu, Brise frisch, blau, kraftaktiv, mit Geruchsstoff. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez partager ce temps. J'aimerais que vous partagez le direct, c'est pas beaucoup de temps. Vous avez commencé en deuil. J'espère que vous allez bien tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi du retard pour le direct. Je vais partager le direct parce que vous savez que mes pages sont bloquées, mes pages sont toujours signalées. Je vous implore vraiment de partager mon direct dans la paix du Seigneur ce dimanche. Je vais parler de quelque chose de très important, donc partager le direct, partager. Merci beaucoup, Rêve Lolo. Bonsoir, Doussa Teba. Coucou. Bonsoir, Lambert. Je vous demande de partager parce que vous savez, mes comptes ont un problème. Vous voyez, non, mes comptes ont un problème. C'est pour ça que j'ai vraiment dû taguer plusieurs personnes pour vous dire que voilà, il faut me soutenir, il faut essayer de partager parce que j'ai un gros souci avec mes comptes, mais il faut que je me débrouille aussi mes gens. Vous voyez, non. C'est le dimanche. Ne soyez pas trop méchants avec moi, pas dans le sur scène. Vous savez que votre bébé là aussi, il vous demande, nous sommes deux. Le bébé, il est là. Donc moi, oh merci Rêve Lolo, merci beaucoup, merci. Donc vous voyez le bébé là, moi je suis future maman, il va bientôt exploser. Donc ayez un peu pitié de la maman et du bébé en même temps, qui vous dit qu'il faut partager. Donc je vais partager en même temps et j'espère que vous allez partager. Merci beaucoup, merci Rêve Lolo, merci beaucoup. Des bisous, donc j'espère que la musique ne va pas déranger. Donc je mets juste... Pour un peu ambiancer, il faut que je partage aussi. Je dis aussi à mes guerriers de venir partager parce que sinon, vous savez, moi, quand je mets seulement live, les sorciers viennent déjà. Donc, je partage aussi. On se partage à mes gens. Je vous partage sur le cœur. Ok, je t'envoie les méga. Non, le compliment, c'était pourquoi tu me demandes les méga, ma personne. Ouais. Partage d'abord. Facebook n'est pas facile, vrai. Ok. Maman, il faut supplier les partages. Sinon, il y a...
Oui, mais il ne veut pas dormir à cette heure-ci quand même. Il est que 19h. Il est que 19h52. C'est vrai que j'ai eu un peu de retard parce que je suis en deuil. En tout cas, on va faire ce qu'on peut, ce n'est pas grave. Je ne demande pas beaucoup. Juste des petits partages. J'appelle aussi mes gens. Pas facile, hein? Je fais de mon mieux. Et mes comptes sont au rouge. Tout autant en rouge que moi, je suis habillée au rouge, là, vous voyez. Mais je sais, je vais faire de mon mieux, même je partage. Je n'ai pas le choix. Bon, je mets une autre chanson. Après, on va commencer, hein. La chanson que j'ai découverte aussi là sur les réseaux sociaux que tout le monde aime beaucoup. C'est pour un peu l'introduction parce que ce sera un direct assez sérieux, mes gens. Vraiment, ce sera un direct sérieux. J'ai envie de parler de ce thème. Sachez que ça ne me dérange pas s'il n'y a pas assez d'audience. Vous savez, je suis en train de faire aussi un balayage. Un balayage juste pour essayer que mes comptes essayent d'avoir un contenu qui n'est pas néfaste pour l'évolution de mes autres comptes. Parce que, vous savez, je travaille en tant que femme enceinte. Je travaille malgré tout. Je travaille, je suis une bosseuse. Donc, je ne peux pas chaque temps être là. Pas facile. Je me débrouille comme je peux. Voilà qui est en train de partager un peu. Après cette chanson, on va commencer. Les oranges sont chères. Les oranges sont chères. Asia, je vais t'envoyer alors deux oranges. C'est bon, non, je t'envoie deux oranges. Ouais, non, c'est mieux de se détendre. On est dimanche. On ne va pas commencer avec la colère. Donc, je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Après cette chanson, je commence les hostilités. Merci. Oui, les femmes battues, venez, Zani, Zani, les femmes battues. Merci, chez Marie. Je fais une petite danse de femme enceinte. Il y a mon chéri qui me regarde. Pardon, partage ici. Oh là là. C'est un thème même sérieux que je vais parler là, mes gens. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Que Zani, 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 Zani. Il faut venir, il faut qu'on parle de quelque chose de sérieux, mes gens. On va parler des femmes battues. Je vais vous montrer ma propre expérience. C'est très important. Partagez, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit un maximum de gens. Non. Pourquoi vous voulez aider? Hey. Il veut déjà bloquer. Envoyez les cœurs, les gens. Envoyez les cœurs. Et qui est? C'est quoi? Il veut déjà. Oh, à cause de la musique.
Je pense qu'ils veulent déjà bloquer à cause de la musique, mes gens. Envoyez les cœurs. Les sorciers sont déjà là. Je n'ai même pas encore commencé mon direct. Ils veulent déjà commencer avec la sorcellerie. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je ne sais pas si c'est à cause de la musique, mais je ne pense pas. Je vais mettre en soum-soum. Ok. On a les sorciers. Ils ont déjà commencé. Ils ont commencé à signaler le direct, en fait. Franchement, la sorcellerie. Mais la sorcellerie vous donne même quoi, non? C'est terrible, ça. Ils veulent bloquer le direct? Est-ce qu'on me voit même? Vous me voyez? Vous me voyez? Ils veulent bloquer le direct. Envoyez plein de cœurs. Envoyez plein de cœurs parce qu'ils sont en train de bloquer le direct. Vous voyez la sorcellerie? Voilà? Voilà ça? Ils sont en train de vouloir bloquer mon direct. Les sorciers. Modia. Je vous dis que Modia. Oui, je ne mets même plus la musique. Tu as raison. Mais putain, mais vous êtes grave, hein? Attendez, je vais bloquer ce microbe-là qui vient d'arriver. Oh là là, comment on fait même? Voilà. Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ils veulent déjà bloquer le direct. À peine commencé, la sorcellerie commence. Je vous voyais, j'ai ici, parce que vous savez, j'ai mon ordinateur à côté. Donc, dans mon ordinateur, je vois que ces sorciers sont en train de signaler. Oui, ils signalent. Je vois ça ici. Je vois ça dans mon ordi. Ils sont en train de signaler. L'image devient déjà toute floue. Et moi, je n'ai même pas encore commencé. Vous signalez quoi, donc? Vous signalez quoi, donc? Vous n'êtes pas honteux. Hein? Je veux parler de quelque chose de sérieux. Vous signalez quoi? Ce n'est pas possible, ça. No, it's okay. Je n'ai même pas encore fait. Vous voyez la sorcellerie? Les sorciers, mais en tout cas, je vais vous bloquer. Dès que je vois un commentaire. Mais attendez, il y a un souci là. Hein, parce qu'il y a un souci qui se passe. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre, moi, je vais sauf que bloquer. Ouais, ma personne, Cameroun, Afrique. Mais tu sais, tu vois, il faut partager sur ta page. Tu vois alors les problèmes. Tu vois alors les problèmes que j'ai sur ma page. Dès que j'atteins un certain nombre, ils bloquent. J'ai ici là toutes les personnes qui ont voulu signaler. Ils ont déjà signalé comme ça, pêle-mêle. Pêle-mêle comme ça. Tous les groupes où ça a été partagé, ils ont signalé le direct. Voilà pourquoi les vues ont baissé que vous. Et pourtant, on a atteint déjà 30, 40. C'est un truc de malade. Bref, en tout cas, je vais quand même commencer. Je vais quand même parler, ce n'est pas grave. Je vais vous dire donc la raison pour laquelle je fais ce direct. En tout cas, je suis quand même en contrôle. Même si on reste deux personnes, ce n'est pas grave. J'ai déjà vu votre méchanceté. C'est des personnes qui sont mal intentionnées, dis donc. J'ai quoi même? Pourtant, j'ai rien à foutre de vous, dis donc. C'est quoi? Vous pensez que ça peut me... Pas encore m'intimider comme avant. Je n'ai rien à foutre. Je vais parler ma part. Après, je vais quitter. Mais ça ne m'intimide plus. Je vois ça. Vous êtes là, vous faites de la sorcellerie derrière vos écrans. Vous pensez que je suis à ça près? Il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent s'exprimer. Dès que Vasquez ouvre la bouche, vous tremblez quoi? Sorcellerie, quand tu nous tiens. Bon, bref, je vous dis déjà bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Bon dimanche à tout le monde. Dans la paix du Seigneur, dans la paix du Christ. J'introduis mon direct déjà. Excusez-moi, il faut que je contrôle. C'est mieux vraiment, hein. C'est vraiment mieux d'être comme ça et de contrôler ces directs seuls. Parce que sinon, il n'y a que de la pourriture. Vous allez m'excuser. Non, ce n'est pas juste. Trop de sorcellerie. Ils font ça même un dimanche. Bref. Bonsoir, bonsoir, comme je disais, bonsoir. J'espère que ce dimanche a été un dimanche de paix, d'amour et de sérénité pour vous tous. Je vous disais donc que je fais ce direct pour parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pour parler d'un thème très délicat. Pour parler d'un thème qui touche la planète entière, toutes les communautés, toutes les religions, toutes les femmes.
Vous savez, je ne fais pas les directs n'importe comment ces derniers temps parce que je pense que ouvrir sa caméra, faire un direct, je suis une femme enceinte, le bébé pousse, je suis déjà bientôt à terme. Donc, je fais gaffe à mes sorties. Mes sorties ne sont plus des sorties pour n'importe comment, non. Quand je fais une sortie comme ça, c'est parce que ça me tient à cœur, parce qu'elle a du sens. J'observe ce qui se passe sur la toile. J'observe beaucoup. J'observe, j'analyse. Je vois, je suis très attentive. Depuis 2, 3 semaines, je vois un peu le brouhaha de ce qui se passe par rapport à Compressor. La Compressor, la Perpétue Maléba. Je vois ce qui se passe. Oh, coucou! Lady Ambazo Van Gang, coucou, ma Juju. Gros bisous à toi, j'espère que tu vas bien. Partage. Je sais que ici, là, c'est compliqué. Donc, je vois ce qui se passe sur la toile par rapport à Perpétue Maléba. J'observe un peu les histoires de Kongossa, tout ça. Moi, je travaille beaucoup. Mais je m'attarde sur quelque chose qui me tient à cœur et qui me touche. Parce que je pense que sur ces réseaux sociaux-ci, il faut parler de quelque chose qui a du sens. Je suis une cadre infirmière qui se respecte. Minaouk. Je suis une cadre infirmière qui se respecte. Ngwane Wondo. Ngwane Kan. Respectueuse, respectable. Je ne me mêle pas à la boue de Facebook. J'écoute, j'analyse avant de parler. Et Minaoukma, vous m'entendez? Merci. En tant que leaderuse, moi, cadre dans mon hôpital, on ne me parle pas n'importe comment. J'exige et j'impose le respect en tant que femme. Voilà pourquoi je suis en cuir aujourd'hui. Pour vous dire, quand je retrousse les manches, ça veut dire que je suis déjà très fâchée. Je suis fâchée de ce que je vois sur la toile camerounaise. Mais Jean, c'est très grave. Il faut qu'on en parle. On ne va pas toujours laisser les personnes néfastes prendre la parole pour toute une communauté, pour tout un peuple. Là, je dis non. Et comme moi, je tape le poing sur la table, je tape avec poigne. Je vous ai toujours dit que moi, ici, là, je n'ai pas besoin de me vanter. Trop parler, c'est maladie. Je montre sur le terrain ce que je vaux. Je montre sous le terrain que ma parole porte. Parce que quand je parle, on m'écoute. Ça a du sens. Je vois ce qui se trame. Je vois ce qui se passe. Beaucoup de choses, je ferme ma bouche, je ne dis rien. Je suis patriote, je ne suis pas blogueuse. Je suis patriote dans l'âme. Je suis camerounaise. Il y a des choses que je vois, ça me sidère. Je ferme ma bouche, je ne dis rien. Ça ne me regarde pas. Je ferme ma bouche, je ne dis rien. Ça ne me regarde pas. OK. Tout ce qui est sur la toile, c'est versé moi. Même chez les Caucasiens. Je regarde TPMP. Je regarde RTBF. Je regarde RMC. Tout ça, c'est le Congo, ça. Tout ce qui se passe là-bas, c'est le Congo, ça. Mais version européenne. Vous ne venez pas nous dire que c'est le Congo, ça, que Congo, ça. Non. Nuance. Les faits divers. Pour t'informer là, ça n'a rien à voir avec le Congo, ça. Parce que même chez les Caucasiens, quand on voit ici là, il y a une femme qui a été tuée, il y a une femme qui a été tabassée, il y a une petite fille qui a été enlevée, on parle de ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde vient donner son avis. Les Caucasiens, ils sont même encore plus congossistes que nous autres. Si on veut maintenant vraiment parler de ça là. Je vois donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et un thème m'attire, ce qui se passe avec Perpétue Maléba. Fokwe. Moi, je l'appelle vraiment. Big up à. Elle s'appelle comment même ma millionnaire, Patrice Yamel. Big up à toi. Tu as trouvé un bon nom. La crapule de Lille. La crapule de Lille est encore en train de faire rage comme d'habitude parce que vous savez que c'est une gangrène, c'est un virus. Donc. Où elle passe, elle sème la zizanie. Dès que Fokwe, Fleur de Lille, passe quelque part, elle sème la zizanie. C'est son aura, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui est maudite. Elle est profondément maudite. Elle et ses asticots, ses mouches,
ces insectes, toute cette bande-là, ils sont maudits. Donc, ils sont là pour ça, ils sont là pour infester la toile camerounaise. Et moi, je me lève pour dire non, je suis désolée, je peux regarder, mais à un moment donné, je dis stop, j'ai vu quelque chose qui m'a sidérée. Une vidéo de Perpétue Malaba. Où elle s'est fait complètement. On dit même comment ça? Repasser. Mon fer à repasser, même là. Voilà. Le voici. Je vais même prendre mon fer à repasser. Voici mon fer à repasser ici. Elle s'est fait repasser comme ça. Frouk. Frouk. Les deux bras. Je dis qu'on a repassé ses. On l'a repassé comme ça. Son doudou. Le doudou a repassé comme ça. Frouk. Frouk. La vidéo est sortie. OK. Pourquoi la vidéo est sortie? Je pense que j'ai aussi vu qu'il y avait la Coco Couetou, l'ex de la crapule de Lille, qui a sorti cette vidéo parce qu'elle se faisait des confidences comme elles étaient des amies. OK. La vidéo est donc sortie parce qu'elle a fuité. On en a parlé. Coco Couetou a mis sur sa page, tout le monde a partagé. J'ai vu, j'étais choquée, j'étais sidérée. Pour une femme qui avait dit ici là que elle ne pourra plus jamais. Non. En fait, elle avait condamné la violence. Perpétue Malaba et la crapule de Lille. Les deux avaient condamné la violence envers les femmes. En disant que comme Achille Dicolo, qui est ma personne, d'ailleurs, big up à lui, je sais qu'il est dans le direct, il viendra témoigner. Achille Dicolo a été accusé à tort par Perpétue, par Compressor, qu'il avait été violent envers elle quand ils étaient ensemble. Achille a fait de la prison injustement parce qu'elle avait menti que Achille Dicolo l'avait tabassé. Le jour d'après, cette même Compressor fait le direct. Elle n'a plus de traces dans le visage. Le visage est devenu joli. Vous allez me dire que peut-être qu'elle avait mis le make-up, mais je ne pense pas. Bref. Elle a condamné. Ensuite, quand elle a quitté Achille, elle a condamné la violence faite envers les femmes en disant que une femme ne doit pas accepter se faire tabasser. Une femme ne doit pas accepter se faire violenter par son homme. Par quelconque. Ok. C'est Compressor. Et la crapule de Lille était là, dans le direct. Elles ont dit que non à la violence faite à la femme. Achille Dicolo est devenu leur moins cher, leur bouc émissaire. Dès qu'il y a quelque chose de négatif sur les réseaux sociaux, c'est la faute d'Achille. On ne le considère pas. Parce qu'il a un bon cœur. Je vous dis, Achille Dicolo, c'est quelqu'un que moi j'ai appris à connaître. La première fois quand il m'avait appelé pour me féliciter. Il m'a dit, oh la Vicky, la Vasquez, et ouais, tout ça. On avait sympathisé. Et j'ai compris que c'était une belle personne. Achille, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un qui est passif, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui aime les problèmes. Il a déjà vécu tellement de choses qu'il a pris du recul. Donc, finalement, il s'en fout, en fait, de ce qu'on raconte sur lui. C'est un type, en fait, moi, je vais vous raconter une histoire. Il m'avait toujours dit que, mais Victoria, est-ce que tu sais que on a tabassé Jésus? On a tout fait à Jésus. Il me prend toujours cet exemple, je trouve ça très drôle. Il me dit qu'on a tout fait à Jésus. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, tout le monde le prie toujours? Même Jésus-Christ, on a tout fait, on l'a crucifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il les a maudits? C'est quelqu'un, en fait, qui n'a pas de haine dans son cœur. Il s'en fout, il se dit que bon. Mais c'est quelqu'un de calme. Mais il faut faire attention. Quand Achille va se fâcher, quand ça touche trop à son cœur, là, ou alors ça touche à quelqu'un qui l'aime, là, ça va aller trop loin, ça va aller très, très vite. Compresseur sort de son silence par rapport à la vidéo. Dans la vidéo, tu vois bien Compresseur qui dit que c'est Thierry a failli me tuer. Voilà donc la niaise de Lille. La crapule de Lille, là, le déchet de Lille, là, qui vient dire que oh, c'est Achille
C'est une vidéo que Achille Dicolo l'avait tapée. Excusez-moi. Est-ce que vous trouvez ça normal de toujours accabler quelqu'un qui n'a rien à foutre de vos choses de Facebook? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi-même, j'ai vécu ça. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Parce que vous savez, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas la foutaise. C'est vraiment une merde, comme tu dis, mon cher. Attendez, je vais partager quelque chose avec vous. Vous savez, je n'ai pas envie d'entendre, on ne pleure pas. Je vous ai déjà dit que je n'ai même pas envie d'entendre les histoires qu'on ne pleure pas. Parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez voir la manipulation de Fokwe. Fokwe, c'est quelqu'un qui est profondément malsaine. Profondément maléfique. Une femme qui a perdu tous ses sens. Parce qu'elle ne vit que de la prostitution. C'est une pourriture qui est prête à nioxer avec tout ce qui bouge pour avoir les dos, parce qu'elle a grandi dans ça. Elle n'a plus d'estime d'elle. Ces femmes n'ont plus d'estime d'elles-mêmes. Voilà pourquoi ça ne leur dit plus rien. Se ridiculiser comme ça, toi qui as condamné hier la violence, tu viens, tu acclames mon doudou, aide mon doudou, aide doudouillement de ça, le doudouillement de ça. Elle doudouise. Je te doudouise jusqu'à... Tu es mon doudou. Tape-moi même. Frappe-moi. Tue-moi. Étrangle-moi. Je vais supporter parce que tu es mon doudou. Hier, il y a là, tu as accusé Achille Dicolo. Hein? N'est-ce pas hier, il y a là, tu as accusé Achille Dicolo pour dire que c'est lui qui t'a tabassé. C'est pour ça que tu l'as quitté. Maintenant, tu es avec un autre monstre. Thierry Ivou. Thierry. Eh Dieu, Anti, je ne sais pas comment dire que Dieu me pardonne parce que c'est dimanche. Je n'ai pas trop le droit de blasphémer aujourd'hui. Hier, là. Ah, donc aujourd'hui, tu es devenue tellement honteuse que tu acceptes qu'on te tabasse. Perpétue, tu n'as pas honte. Toi, qui va au soin, vous avez vraiment vendu la honte au chien. Je pense que c'est à cause des histoires des réseaux sociaux aussi. Parce que s'il n'y aurait pas les réseaux sociaux, vous n'aurez pas cette... cette audace de faire ce certain chose. Parce que vous savez qu'on avait les followers. Parce que même si vous dites, ah, demain vous dites des aides, on va toujours vous follower. Oui, c'est comme ça. Parce que la toile camerounaise, c'est vous, c'est la sorcellerie. Vous n'avez même plus d'estime de vous-même. Donc, tu viens te comparer avec Tatiana. Tatiana Corny, en tout cas, big up à Tatiana Corny, la pauvre, et la pauvre. Une femme qui est enceinte, qui a fait des enfants, tu viens, son mari, son ex, soi-disant, qui il allait couiller après le deuil, dernièrement, du jeune garçon qui est mort, la paix à son âme. Lily Paulson, ma chérie Coco, big up à toi. Marlise Sinclair, big up à vous. Vraiment, courage à vous pour la perte. Voilà donc Thierry qui part au deuil. Écoute, Tatiana, toi, tu viens sortir la vidéo pour montrer la vidéo que le Thierry, sorcier, démon, maléfique, pervers narcissique au plus haut point. Viens comme ça, il t'a envoyé ça, ou tu as piqué dans son portable, personne ne sait. Il a fait la vidéo pendant que Tatiana s'habille et tu viens carrément la traiter de truie, la traiter de tous les noms parce que tu es plus belle. Oh, mon abonne, mon agneau. Tu n'y as pas avec quoi? Ton esprit est pourri, perpétuel. Je suis désolée, on ne fait pas ça. Ce que tu as fait là, c'est réprimandable. Parce que demain, il va te faire la même chose. Et ce n'est pas parce que tu as encore, comme tu as le corps là, ou que tu as les ongles jolis, jolis. Parce que je ne sais pas, tu te vantes avec même quoi, hein, perpétue. Je ne te clash pas, ma chérie. Je te dis les vérités. Parce que tu sais, tu fais des choses qui n'ont pas de sens. Je pense que tu as besoin qu'on te conseille. Les gens qui sont autour de toi, c'est des personnes malsaines. Ce n'est pas les personnes qui t'aiment. Quelqu'un qui t'aime là, il te regarde dans les yeux comme ça là. Hein? Il te dit, ma chérie, ce que tu fais n'est pas bien. Quand ce n'est pas bien, il te le dit. C'est quelqu'un qui applaudit ta bêtise, qui ne t'aime pas. Ce que tu as fait là, c'était tellement grave. J'étais choquée. Je me suis dit, non, attendez, ce n'est pas... Non, ça ne peut pas être la même perpétue qui était venue ici, l'a dit comment est-ce qu'elle a été traumatisée par son ex Achille.
et qui vient maintenant applaudir son nouveau doudou qui la tapasse, qui repasse ses mains comme ça. Dire qu'elle l'aime, comment elle l'aime, trop, elle est trop. Je suis tellement amoureuse. C'est bien d'être amoureuse. Mais ma chérie, il faut être cohérent dans tes propos. C'est bien beau d'être amoureuse, je te le concède. Tu mérites d'être heureuse, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu ne comprends pas, Perpétue Maléba, c'est que tu as fait la promotion de la violence. Tu t'es moqué de tes followers. Et ça, je dis non. Je ne comprends pas pourquoi Jean-Louis me sent, qui est ton grand frère, ne dit rien par rapport à cette histoire. Je ne comprends pas comment Jean-Louis Messin peut regarder et parce qu'il a peur qu'il ait les réprimandes de certaines mouches de Facebook. Il ne fait pas de sortie. Il préfère s'intéresser plus aux histoires de doigtage sans caleçon et consort. Excusez-moi. Je ne comprends pas, ça me sidère, ça me dépasse. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu mal au cœur en voyant ces images. Moi-même, j'ai vécu ça avec un ex à moi qui a failli me tuer. J'ai des photos qui sont très dures. Je voulais vous les montrer, hein, mes photos à moi. Mais j'ai du mal parce que j'ai payé 2 ans pour me reconstruire psychologiquement, physiquement aussi. C'est pour te dire, Perpétue, ce que tu fais là, c'est injuste. Tu veux accabler un monsieur comme Achille et tu coucounises ton doudou. Ah bon? Et c'est méchant. Perpétue, c'est méchant. Achille m'a dit aujourd'hui que il ne t'a plus jamais parlé depuis 2 ans. Aucun contact. Il ne te harcèle pas. Arrête les bêtises. Arrête de salir le nom d'Achille. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ma chérie, ce n'est pas bien. Achille t'a souhaité bon rétablissement quand tu étais là-bas, couché à l'hôpital. Achille a fait une très belle déclaration à la petite Gagounette pour son anniversaire. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein? Donc tu valorises Thierry qui te tabasse, qui te traite comme une moins que rien. Tu préfères. Hein? Donc c'est comme ça que vous êtes dans les réseaux sociaux aussi. Tu préfères valoriser Thierry, et doudou, et mon doudou, et doudou, et mon doudou, doudou, doudou chou, doudou, doudou, doudou coucou. Hey, ah bon? Donc, c'est Achille votre moins cher. Moi, je dis non. Achille, c'est ma personne. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de bien. Il est passif. Vous savez, il ne veut même pas entendre. Il ne veut même pas attendre que un jour, la petite Gagou a été touchée dans vos conneries. Parce que c'est la petite Gagounette qui va être le dommage collatéral un jour. Si tu rentres avec Thierry, Gagou est à la maison, vous faites vos histoires de Madame Satan. Vous êtes tellement bourré avec l'alcool des fêtes, vous êtes allé à Njoka. Quand vous avez trop le Njoka là-bas, les Français, vous là-bas, les gens de Paris là-bas, vous êtes tellement bizarre avec l'alcool. Chaque temps, l'alcool, les baruinas, les baveux clicots. Vous êtes dans tous les histoires de cabaret, les bars, on vous voit. Chaque temps, dans le Njoka. Yeah! Ok. Vous êtes dans le Njoka chaque temps. Imagine-toi un jour dans le Njoka. Tu rentres avec ton doudou. Ah ben, doudou! Ah, doudou chou! Doudou, doudou mamou, doudou mamou, doudou. Tu rentres avec ton doudou. Il est fâché contre toi par rapport. Gagou est là. Il te fracasse comme ça. Le coup part chez Gagou. Tu m'as dit que quoi?
Moi, je parle ma part. Moi, je te parle en tant qu'une femme. Ce que tu fais là est très dangereux. Au Karga, fais très attention. Vous êtes en France là-bas. Je vous dis que les images là sont déjà à la police. Parce que toi, tu dis que tu es maso. Tu aimes quand ils te tapent. Ok. Tu as changé. Tu as oublié en fait le passé. Pas de souci. Maintenant alors, comme tu as changé, tu ne parles plus que ce n'est pas bien de taper la femme. Ok. Pas de souci. C'est bon. Achille. Oui, Achille dit qu'il va arriver. Bon, ma chérie. Papetu. Comme tu as oublié, non? Ok. Si un jour, il se passe ce que je viens de dire là, il y a les images. Achille a beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves. Tu as menti ici, fatigué sur son nom. Il a fait la prison à cause de toi, injustement. Il a les preuves. Hein. Mais Achille, c'est quelqu'un qui m'impressionne parce que... Mais Victorio, vous savez, Achille, c'est quelqu'un qu'il faut... Il a quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui est croyant, mais il est passif dans sa croyance. En fait, j'ai l'impression que quelqu'un qui supporte beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'il est mou. Hein. C'est parce qu'en fait, il encaisse. Mais si tu tentes quelque chose qui va lui faire un genre, il va te doser. Mais ce qui va te doser, là, ce sera pire que ce que tu peux imaginer, en fait. C'est comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Je reviens à ce que je disais là. Comme Perpétue, tu es devenu maso. Si Thierry te tabasse, il te dabat, comme disent les Ivoiriens, il te tape dans tous les sens du terme, tu vas toujours rester calacala parce que tu es tellement amoureuse que ok, d'accord. Tu peux toujours rester comme ça, tu peux dire ça. Il n'y a rien qui t'en empêche, c'est ta vie privée. Mais n'oublie pas que tu peux mourir entre ses mains. Et tu as la petite gagounette. Tu as la petite gagounette en charge. Tu es une maman. Perpétue Maléba, tu es une maman. Respecte ce statut. C'est égoïste de penser qu'à toi. Et de penser qu'à ça. Quand il va te... Tu ne penses qu'à ça quand il va te... Et la petite dans tout ça. Est-ce que tu vas vraiment assumer qu'elle soit un dommage collatéral? Au cas où, on ne sait jamais. Quand quelqu'un a déjà été violent une fois, il peut l'être 10 000 fois. Pense bien. Oublie qu'il allait nioxer Tatiana derrière. Oublie qu'il allait faire les trucs derrière avec Tatiana Cormier. Oublie ça. Tu l'as dénigré, non. Ce n'est pas une femme, non. Ce n'est pas une femme. Ok. Tu as insulté une maman. Honte à toi. Honte à toi. Oh, elle m'a provoqué. Oh, elle... Et alors? Elle a été 7 ans avec Thierry. C'est normal. Elle a le droit. Mon frère, moi, c'est que vous voyez là. Moi, c'est que vous voyez là. J'ai été avec Narcisse Mbarga, non? J'ai été avec Narcisse Mbarga. Vous vous rappelez? Est-ce que parmi tous ces petits niamankonkon qu'il y a eu sur les réseaux sociaux aussi, avec les gens qui sont venus nous clasher, même Berceau Afrique, une grande dame que je respectais, les bas coach de la Suisse, les bas quoi, tout le monde qui s'est mis contre notre couple là. Vous avez vu Narcisse un jour venir me dénigrer sur les réseaux sociaux? Vous avez vu Narcisse Mbarga un jour venir là pour dire que non, parce qu'on l'a trop insulté? Il a assumé la femme que je suis. Un tombongwanekang. À sa bonhomme. À quelle heure Narcisse Mbarga, il m'a jamais manqué de respect ici sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'il assume sa femme. Vous voyez comment je suis? Un tombongwanekang. Comment? Mon frère, on ne connaît pas ça. Quand tu respectes quelqu'un avec qui tu as été, tu respectes jusqu'au bout. Vous conneries que vous faites là sur les réseaux. Moi, ça me sidère. Moi, je vais surtout taper le poing sur la table. Je ne vous laisse pas faire. Oh, coucou, ma fontoune finga, coucou. Bisous, bisous. Bisous, mon jean-homme.
Vous pensez que vous êtes tellement intelligent parce que vous allez abrutir toute la toile? Vous abrutissez tout un par rapport à quoi? Vous savez pas qu'il y a des followers qui vous regardent et qui vous prennent pour des modèles? Oui, il y en a. Excusez-moi, vous êtes des illettrés, non? Vous avez dit que 1 plus 2 plus, ou c'est 1 plus 2 égale 23. Je suis désolée. Merci pour les cœurs. Oh, merci pour les cœurs. Et quand ma frontune finger arrive comme ça, c'est le feu. Merci, ma chérie. Partagez seulement. Hein? Mais non, okay, vous n'avez pas honte? Vous dites que vous êtes d'abord des modèles, mais quand vous faites les choses comme ça, vous pensez que quoi? Vous pensez que nous sommes les bouts? C'est les bouts qui vous suivent ou quoi? Hein? Il faut arrêter ça. Dis donc. Moi, je parle ma part, je dis les vérités ici, là. Il y a des choses qui sont passées sur les réseaux sociaux que moi, j'étais dépassée. Donc, maintenant, tu encourages quand un homme te tape. Donc, tu veux dire que si un homme tape la femme dans le foyer, c'est normal, elle doit rester parce qu'elle est trop amoureuse de mon doudou. Mon doudou, elle n'est plus là. Hé, pardon, il faut arrêter ça, dis donc. Parce que vous savez très bien que ce que vous dites, ça peut impacter la vie de quelqu'un qui est là, une petite broussailleuse, elle a perdu la tête. Son mari l'a tapé, tabassé, les bleus sont partout, elle va rester dans le foyer. Vous n'avez pas que vos manières de parler, comme la Fouquet, Fleur de Lis là-bas. N'est-ce pas que je l'avais appelée ici? Je vous dis, hein, c'est une parenthèse. Hein. C'est elle aujourd'hui qui fait l'hypocrisie. Je n'aime pas les gens qui sont malhonnêtes. Je n'aime pas l'esprit malhonnête, l'esprit démoniaque. Je ne supporte pas les gens qui sont faux. Que ça me sidère. Reste sur ta lignée. Tu dis que tu fais le game de Facebook, mais ne mélangez pas le game de Facebook à la connerie, à la bêtise. Il y a des thèmes, il y a des points avec lesquels on ne rigole pas. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Stop! Nous, on vous regarde par rapport. Vous pensez que nous sommes teubés, nous sommes bêtes ou quoi? Vous pensez que c'est des débiles qui vous suivent? Non, vous avez les followers, vous avez les milliards de vues. Mais ces personnes-là qui vous suivent, vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous voulez les amener dans la boue? Vous voulez être que vous êtes tellement idiot. Oh, envoyez-moi les étoiles. Oh, je vous remercie. Que Dieu vous donne au centuple, au quadruplisme, au milliardruple, au madoudou. Oh, mon doudou, je suis un acatapilam, mais moubi foya. Mais Achille Dicolo, tu le dénigres. L'autre là, tu le mets en haut. L'autre qui est allé avec Tatiana, il a couillé Tatiana derrière. Il revient. Hey, mon doudou, c'est mon yo, c'est mon doudou. Je reste ici. C'est toi qui disais hier que, oh non, moi, quelqu'un me frôle encore. Un homme me frôle encore, me brutalise encore. Je quitte ici là. Les filles, n'écoutez pas. Oh. Il ne faut pas. Un bim. Ah oui. Un bon. Un bon. On ne peut pas là. On ne peut pas là. Non, on ne va pas continuer. On est en 2022. Changer de comportement. Merci, ma photo finger. Merci. On est en 2022, changez de comportement, vous devenez vieille, vous vieillissez, dis donc. Laissez une génération saine, arrêtez les conneries, arrêtez ça, dis donc, vous vieillissez, vous êtes des vieilles croûtes, pardon, excusez-moi, je vais même dire croûtes, vous êtes des vieilles femmes. J'aime pas dire l'autre mot de ta camarade là, de l'île, là, non, moi je ne suis pas dans vos histoires. Vous dites, quand on dit va, vous vaillez, on dit que, on ne plaît pas, tu vas aller voir toute la toile, on ne plaît pas, on ne plaît, on dit que, machin, vous avez toutes les expressions bizarres, jaja. Vous partez, on vous dit que je parle là-bas, vous aussi, vous partez comme des moutons. Non, je ne suis pas une meneuse. Vous avez compris? Je suis une meneuse, je n'écoute pas les bêtises. J'ai ma propre opinion, même donnez-moi 10 000. Comme Virus Lydia. Oh, apparemment, Virus Lydia. Big up à Virus Lydia. Ah, c'est bon, j'ai vu alors une femme qui est une vraie. Elle s'est mise comme ça, elle a dit que tu ne me prends pas n'importe comment. Voilà les femmes que moi j'aime, les femmes de bois, les vraies lionnes. Mais nous, voilà les wando. Donc je ne supporte pas qu'on me fasse n'importe comment. C'est moi la leader. Je tape le poing sur la poitrine. Tu vas commencer par où pour me dire les bêtises là que tu vas me taper où? En fait, tu me fautes comme ça là. Je te ramasse. On va se faire bagarrer. Tu ne me touches pas. Je suis la mère de l'humanité. Moi, je porte un bébé. Mon frère, je porte mon bébé. Tu veux me taper. À quelle heure tu vas commencer même? Non, attendez. Attendez un peu. Quand quelqu'un vient comme ça, vous dit sur la toile, soi-disant, elle a toute sa tête. Soi-disant, elle a toute sa tête. Excusez-moi. Excuse me. Excuse me. Excuse me. C'est autour de toi de venir aujourd'hui pour dire que non, c'est mon doudou. C'est mon doudou. Je suis belle. Mon doudou a dit que je suis belle. Il a même dit que mes ongles là, c'était joli jusqu'à... Je suis tellement amoureuse.
c'est joli. Alors, ça ne me fait pas jaja. Une fois, je suis trop amoureuse. Hein? Il m'a tapé, il me tape même. Mais je ne tape pas. Hey, tu es ridicule. Arrête ça, tu es ridicule. Donc, tu es ridicule. Maman, tu es ridicule. Tu as perdu ta superbe. Je te respectais encore un peu. C'est vrai que moi et toi, là, le sang ne donnait pas trop, mais je... Tu fais pitié, quoi. C'est pas bon. Tu t'es réduite à la... C'est parce que ne regarde pas les vues que tu as, ma chérie. Ne regarde pas les vues que tu as. Ce n'est pas les vues-là que les gens respectent. Non. On sait qu'il y a la bouillabaisse dans tes vues. Il y a les timbrés, il y a les alcoolos, il y a les gens qui sont complètement maso, qui acceptent qu'on les méprise et tout. Il y a de tout dans tes directs. Il y a de tout. Tu vas m'excuser, hein, mamie. Tu vas m'excuser. Mais ce n'est pas seulement les belles personnes qui te suivent. Ouh, donnez-moi au centuple. Je vous redonne encore au centuple. C'est quoi ça? Tu ne te respectes plus toi-même, ma chérie. Tu as dit quelque chose hier, tu ne respectes pas. Tu encourages que l'homme tape sur la femme. Perpétue. Essaye un peu de recadrer un peu ton cerveau. Fleur de Lille, j'ai un message ultime pour toi. J'ai un message pour toi parce que vous savez, dans ces réseaux sociaux-ci, il y a des personnes qui font beaucoup derrière les écrans. Moi, là, pour m'affronter, là, moi, Vasquez, Nguaneondo, princesse et cadre infirmière, pour m'affronter, il faut les couilles. Fleur de Lille, tu n'as pas les couilles. Et tu me l'as prouvé la dernière fois. Moi, je vous dis toujours que je n'ai pas le temps pour vous niamant compte de Facebook. Je viens quand mon esprit a dit que je viens. Je viens de sensibiliser pour ce qu'on appelle la violence contre la femme. La violence envers la femme, autant pour moi, excusez-moi. Je dis non à la violence. Je dis aussi non à la manipulation de certaines femmes qui vont dire, aujourd'hui c'est non à la violence et demain elles encouragent. Je dis non. Moi, Vasquez Nguaneondo, je suis là pour vous traiter, pour vous remettre et pour vous recadrer sur le droit chemin. Parce que je n'aime pas foutaise, comme disent les Ivoiriens. Je n'aime pas foutaise. À un moment donné, stop. C'est quel pouvoir malsain. Et les gens-là qui vous regardent même, on ne connaît même pas qui vous regarde. Qui accepte ce genre de comportement? Claude Akam, toi qui es venu là tout à l'heure, je t'ai aperçu. Toi et ta reine, je sais que tu es quelqu'un de bien. Claude Akam, tu sais, n'encourage pas la bêtise. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes poussière et nous irons tous poussière. Voilà Love Gugu qui a perdu son fils, pas son âme. Elle faisait les backlash à la con ici, là. Voilà, elle a perdu son fils. Elle l'est anéantie. Combien elle a gagné sur Facebook? Combien elle a gagné sur Facebook? Maman, les millions de ça. Les bas 14 000 euros. Les bas 15 000 euros pour les clashs. Est-ce que les 15 000, les 14 000, tout l'argent qu'elle a gagné peuvent ramener son fils? Vous avez vu la douleur d'une mère? Est-ce que si on lui propose même 1 million d'euros, là, ça va enlever la douleur? Est-ce que ça va enlever la douleur? Faites attention. Claude Akam, ta patronne qui est Fleur de Lille, je pars de ça maintenant. Je vais remettre ce qui s'était passé dernièrement. Parce que vous savez, je suis quelqu'une de poigne. D'accord? Je suis une femme avec beaucoup d'envergure parce que j'ai un sang chaud. Nguaneondo. Oui, la fille de sa mère, la fille de son père, paix à ton âme, papa. Je suis la qualité que j'aime pas trop bavarder. Je veux t'affronter yeux dans yeux. Viens devant moi, tu parles. On se parle comme des adultes. Je n'aime pas les histoires des réseaux sociaux. Là, j'ai pas le temps pour ça. Mais belle qu'il faut, m'assied, j'ai bien un travail. Je me réveille chaque matin pour avec ma grossesse, je me réveille chaque matin pour aller travailler. J'ai pas le temps des conneries de Facebook. Je veux que quand on parle, tu me dis ça. On dirait comme ça, yeux dans yeux. Sinon, ça ne compte pas. Derrière vos claviers, vous êtes fort. Non, viens m'insulter. Viens m'insulter, yeux dans yeux, on voit les choses.
On se place comme ça, comme des adultes. Tu viens, tu me parles en face. Pas les bêtises de Facebook. J'ai dit donc à ta patronne la dernière fois que... Écoute-moi très bien. Écoute-moi très, très bien. Moi que tu vois ici, je ne rigole pas avec ma vie privée. J'ai dit à Fleur de Lille, je l'ai appelée, j'ai dit écoute-moi très bien. Ça fait des années, plus de 4 ans aujourd'hui, toi et tes asticots, tes mouches, tes moucherons, je ne sais pas comment vous vous appelez, parce que ou les mecs c'est des moucherons, les meufs c'est les mouches, ou alors je ne sais pas c'est quoi les asticots, les pourritures, je ne sais pas ce que vous êtes, ou vous êtes des tombeaux de je ne sais quel carnivore, je ne sais pas d'où vous sortez. Vous qui m'insultez, qui venez me faire des menaces dans mon inbox, je dis niette. Parce que vous allez parler de ma grossesse et ma grossesse ne vous concerne en rien. C'est sur ma page que j'ai annoncé. Ça ne te concerne pas. Je n'ai pas fait un direct pour dire que je suis enceinte. Ça ne les concerne pas. Donc, quand tu viens mettre ta bouche dans mes histoires, je dis non. Là, je parle de ma grossesse. Et tu emmènes derrière, tu fais un direct pour soi-disant faire un peu l'humour. Je suis aussi enceinte. Et oui, le père des abeilles, j'adore. Bref, je l'ai appelé mes gens pour dire que stop. Parce qu'elle avait envoyé des petits moucherons, des petits asticots là, pour me menacer derrière. Fleur de Lille, une fois tu m'avais prononcé avec l'histoire de mon père, Haïssi le Duc. J'ai plié le doigt, j'ai laissé parce que je ne te suis pas. Je ne suis pas ta page, la seule que je suis c'est Lolo Foggia. Je suis Lolo Foggia, la bagantée Lolo Foggia, la blogueuse de Lolo Foggia. C'est elle que je suis. Toi je ne te suis pas. Hein? Voilà ma Bible ici. Attendez, je prends ma Bible. Je n'ai pas besoin de mentir. Voici ma Bible. Voici ma Bible. C'est dimanche aujourd'hui. Hein? Je ne suis pas Fleur de Lille. Je ne la suis pas. Voici ma Bible ici. Voici ma Bible. Je ne suis pas Fleur de Lille. Elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'a jamais intéressée parce que je trouve que quand tu veux suivre quelqu'un, c'est parce qu'elle a quelque chose de bon à t'apporter. Lolo, je la suis parce que des fois, elle a des thèmes qui sont bien. Elle a des thèmes des fois qui sont intéressants. J'aime des fois regarder, c'est quelqu'un qui se met bien, elle est classe. C'est quelqu'un qui, elle parle bien aussi quelque part, même si elle insulte beaucoup. Mais elle a des points positifs. Et c'est vrai que j'ai eu un petit truc avec elle et on a fait la paix, dans la paix du Christ. On a fait la paix en tant que des personnes qui sont majeures, vaccinées. Et j'ai oublié le passé. Même si elle m'a volé mon pôle des Ibia. D'ailleurs, pôle des Ibia. J'ai vu que tu m'as appelé, je vais te rappeler, t'inquiète pas. Je vais trouver le temps pour te rappeler. J'ai un peu beaucoup de stress, tu m'excuseras, mon frérot. On peut faire la paix, pôle des Ibia. C'est sans rancune. Je n'ai pas un mauvais cœur. Donc, bref, je reviens à ça. J'ai fait la paix avec Lolo Foggia. Et depuis que je la suis, depuis que j'ai fait la paix avec elle, je la suis. Voilà. Abimté. Ça s'arrête là. Voilà ma Bible. Je ne suis pas Fleur de Lille. OK? Merci. Je l'appelle donc pour lui dire, écoute-moi très bien. Fleur, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Ne parle pas de mes histoires. Tu as parlé une fois de l'histoire avec le Zonglo à mon papa, Haïssi le Duc. J'ai laissé. La deuxième fois, tu as parlé de mon histoire avec Narcisse Mbarga. J'ai laissé. La troisième fois, je suis venue parler des Némangolans de Facebook par rapport aux gifleurs de Lyon. Et là, on parle de ma grossesse. Tu te tais. On ne se connaît pas. Je ne te suis pas. J'ai dit, tu fiches le camp. Parce que je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, je te méprise. Je te méprise. C'est comme ça et pas autrement. Tu n'as pas à me dire. Mais ne parle plus de mes histoires. Et arrête d'envoyer tes microbes dans mes inbox. D'accord? Tu es blogueuse, non? Fleur, arrête d'envoyer tes microbes dans mes inbox et arrête d'envoyer des petites pourritures là qui ne sont pas de mon acabit dans mon inbox. Je l'appelle, je lui dis, je prends mon téléphone, je lui dis ça calmement. Je lui dis, hey, je te méprise, je ne t'aime pas. Arrête de parler de moi. Hey, fiche-moi le camp. Raccroché, basta. Je la bloque. Abimté. Abimté, pour vous dire. Hein? Sur la tombe de mon père. Voilà ça. Hein? Voilà ce qui s'est passé. Je raccroche la bloque. Pour moi, emballer, peser, il y en a assez. Comme disent les Marseillais. Ouais, compris. Voilà ça.
Voilà ce que j'ai fait. Parce que c'est ça comment je suis. Femme de poigne. J'ai pas besoin de trop parler avec elle. Elle m'intéresse pas. La femme que je peux parler avec, c'est Lolo. Elle, c'est pas ma catégorie. Basta. Elle me rappelle. Écoutez alors ce qui se passe. C'est une parenthèse importante parce que je vois beaucoup là sur ces réseaux sociaux qui racontent des conneries. Gnoc, 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 que c'est moi qui l'avais appelée dans les directs. Je ne savais pas qu'elle avait... Elle voulait, parce qu'elle a dit, elle était tellement, vous savez, elle tremblait comme ça au téléphone avec moi. Elle tremblait comme ça. Non, mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit que j'ai raccroché, que crac, un tout. Pour moi, j'ai dit que j'ai bloqué les bêtises. Moi, parce que j'ai bloqué. Elle me rappelle, je ne suis pas au courant qu'elle lance un direct. Ouais, la sorcellerie, la manipulation de cette sorcière. Écoutez bien. Attendez. Attendez. Voilà, écoutez. Hein. Écoutez bien. Voilà ce qui se passe. Vous allez voir la sorcellerie de cette femme. Elle condamne les gens qui enregistrent, non? Vous allez alors me dire, qui de nous deux, où l'alcool a gâté leur cerveau, ou c'est peut-être la coke qu'elles prennent là pour se faire nuoxer n'importe comment, je ne sais pas. Attendez, vous allez voir. Je pense que elle pensait que j'allais venir la caresser dans le sens du poil. Elle lui dit, oh la nave, qui ça, ok. Écoutez, écoutez bien ici, s'il vous plaît, voilà la vraie version. Je ne savais pas, parce qu'elle m'a rappelé, quand elle me rappelle, mais genre, à quelle heure je peux imaginer que la bonne dame lance le direct? Tu lances le direct, pourquoi faire? C'est quel manque de respect? Hein? Elle s'attendait à ce que moi je l'idolâtre, moi si, mais vous avez bien regardé? Jusqu'à vous penser que je peux idolâtrer quelqu'un qui est une pourriture? À quel moment je vais idolâtrer une pourriture? Vous êtes malade? Mais là, pendant l'eau, je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé et je ne l'aimerai jamais. J'ai réglé mes comptes, j'ai dit que je ne veux plus que tes gens parlent de moi et arrête d'envoyer les bactéries, toi, dans mes inbox pour qu'ils viennent me menacer. Je ne t'aime pas! Je ne t'aimerai jamais dans l'amour, ça ne se force pas! Fiche-moi le camp! Ne parle pas de ma grossesse, ça ne te concerne pas! Basta! Abîme-toi, c'est quoi? Je raccroche, je la bloque, je pense qu'elle était frustrée. Je voulais qu'elle était tellement frustrée, elle s'est dit que hi, c'est la fille qui m'a parlé comme ça. Et moi la mafo, moi la ouvre des uno, moi la vous appelez mon coco comment je ne sais pas. Cette petite pourriture là, cette parvenue, cette crapulard. Regardez ce qu'elle fait. Écoutez, hein, c'est sa voix non? Écoutez bien ce qui s'est passé. Voilà ça ici. Une bêtise même qui a fait d'abord dit regardez, 18 000, 19 000, 19 000 vues, 19 270 vues. Et un bon, je mange ça, mouf. Donc, attendez, écoutez ici. Écoutez. Franchement, la honte, le ridicule. Elle était obligée de lancer le direct. Écoutez. Écoutez bien. Elle voulait me lécher, vrai, vrai. Mon chat. Voilà, c'est ce jour-là que les mouches se moquaient de moi. Exactement. Écoutez bien, c'est elle qui parle. Jean, hein. J'ai lancé le direct. Connectez-vous un peu là. Une autre dingo qui m'appelle. Ça dit qu'elle joue d'abord au what. Et puis, écoutez bien comment les gens font. Les gens sont... Quand ils réussissent en quête de visibilité. Écoutez. Voilà une qui m'appelle. Et puis, je ne comprends pas ce qu'elle m'explique. Écoutez bien. Ah, tu ne comprends pas. Hey! Hey! Tu ne comprends pas. Tu vas comprendre. Attendez, une autre. Hein. Écoutez bien. Attends. Elle m'a appelé. J'ai lancé le direct. Oh. Écoutez, hein. Écoutez. Vous allez voir la sorcellerie de cette femme. Elle avait tellement besoin de reconnaissance. Écoutez, c'est elle qui m'appelle, hein.
C'est elle qui m'appelle. Écoutez, hein. Pour que je réponde même, je vais... Écoutez-moi, elle m'a appelé en normal. Parce que dans WhatsApp, je l'ai bloqué. J'ai bloqué les bêtises parce qu'elle ne me sert à rien. J'ai parlé ce que j'avais à parler. J'ai jeté. J'ai dit que pardon, fiche le camp. Dégagez. Ouf. Ouf. Bye. Elle m'appelle en normal. Je vois mon portable. Je vois Flo. Je vois son numéro. Elle dit que, okay. Elle dit que ça coûte. Hein. Ça coûte. Hein. Quand on appelle en normal, là, ça coûte. Quand que tu m'appelles ce matin. Écoutez bien. Attendez, je la rappelle parce que j'ai un mauvais pressentiment avant de prendre le téléphone. Je dis, pourquoi tu m'appelles? Elle a essayé au moins 4 ou 5 fois de me rappeler. Pourquoi? Asoujé? Asoujé? Oui, il me dit, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Tellement que tu étais, tu tremblais comme ça. Hein, tu voyais la voix. C'est comme ça. Comme une merle en frit. Attendez. Écoutez. Vous allez voir la sorcellerie de cette femme. C'est une autre qui m'appelle. Je ne sais pas c'est qui. On va aussi l'écouter. Mm-hmm. Elle m'appelle là. Je n'ai pas compris. Elle m'appelle pourquoi? Attendez. Mm-hmm. Voilà. Elle pouvait pas imaginer que j'allais la mépriser. Elle pensait que je suis comme les petits là qui sont sur les réseaux, ceux qui veulent les vues. Mouf! C'est une autre qui m'appelle. Elle dit qu'elle était enceinte et j'ai aussi dit que je suis enceinte. Écoutez-moi les choses. Je veux savoir. Attendez, je. Là, voilà qui insiste. Elle vient m'expliquer cette histoire. Elle dit qu'elle était enceinte et j'ai aussi annoncé que je suis enceinte. Et fort de lui. On ne foise the mot. On ne foise the mot. Et on soigne. Je vous avais dit que je ne voulais pas répondre. Vous avez vu comment elle a insisté? Pourquoi tu m'appelles? Tu rapproches-moi, tu m'appelles pourquoi en fait? Ben, je voulais qu'on s'explique tranquillement. Écoutez bien. Oh, ça c'est les... parce que comme c'est sur YouTube, voilà les. Bonjour tout le monde. Les pubs à la con là, excusez-moi. Je voulais qu'on s'explique tranquillement parce que j'ai pas bien compris, tu sais que je suis. Je voulais qu'on s'explique tranquillement. Parce que je suis en train de me réveiller, tu parce vois. Que je suis en train de me réveiller. Donc, tu vois. Je voulais que tu m'expliques parce que j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris ta colère. Tu vois, j'ai même pas bien compris. Je suis en colère contre toi parce que c'est ma grossesse, c'est ma grossesse, c'est ma vie privée. Tu t'es permis de te moquer. Jewa. Après, je vais t'appeler. Je ne sais pas, je vais écouter ta personne, s'il te plaît. Tu vas lui dire qu'elle se calme, en fait, parce que je ne la connais pas. Je ne l'intéresse pas. Pourquoi chaque temps, elle fait des trucs? Parce que toi, tu fais des trucs par derrière. C'est très... En fait, c'est sournoise, en fait. Ben, attends, attends, dis-moi, attends. On ne va pas être tranquillement, tu vois. Dis-moi, tu m'appelais gentiment, tu me dis bonjour, tu t'es présentée, tu es Victoria Vasquez. Oui. J'ai vu le numéro, c'est un numéro suisse. Et puis moi, en fait, ton problème, c'est que je ne comprends pas très bien. Tu es en train de me faire comprendre que tu as annoncé sur les réseaux sociaux que tu es enceinte. Et moi, j'ai aussi annoncé que j'étais enceinte. Oui, parce que tu n'appelles pas le jour d'après. Ce qui est vrai. Rappelle-toi du direct que tu avais fait, c'était juste après que j'ai annoncé sur ma page, parce que normalement, c'est pour ça que j'ai dit à Marche pas, que normalement, elle ne met pas son dessus, je ne suis pas bloquée, je ne suis pas dans l'auditoire de Facebook à la con. Moi, je suis dans mon patriotisme. Ma page, normalement, c'est même pas censé intéresser qui que ce soit qui te suit, parce que tu as tes personnes. Vous entendez comment je lui parle? Je ne te suis pas, donc moi, je ne connais pas. Donc c'est après qu'on m'a dit, tu t'es moquée de ma grossesse, en fait. Je ne suis jamais moquée, tu es enceinte, mais félicitations. Vous avez vu la sorcellerie. Oui, mais pourquoi alors tu t'es permis de faire le direct avec le test de grossesse pour dire que tu étais enceinte, pour faire la comédie? En fait, c'était... Moi, j'ai... En fait, du coup, tu as compris que moi... Attends, du coup, en fait, j'ai fait une tu as annoncé sur ta page que tu étais enceinte. Et quelques jours après, moi aussi, j'ai acheté un texte de grossesse. Le jour d'après, et tu, est-ce que tu sais... Et le direct est là. Tu fais les directs pour dire que ma grossesse, elle est fausse. Est-ce qu'il y a beaucoup de blogueuses qui sont essayées de faire la même chose que toi pour dire que j'étais en train de dire que je suis enceinte et pourtant c'était un buzz? Ben moi, je trouvais que c'était très grave. En non, mais si tu es enceinte, c'est une très bonne chose. Non, mais si tu es enceinte, c'est une très bonne chose. Mais tu vois, comment tu t'amuser avec ce genre de choses? Mais je te connais pas. Attends. Pendant ce temps, la sorcière a lancé le direct. Je ne connais pas, mais n'est-ce pas, t'avais pris le direct aussi pour à mon père. Vous voyez les choses? Tu ne connais pas très bien. Mais pourquoi tu as fait ça? Non, mais attends, donc tu es fâchée. Pourquoi tu fais ça? En fait, tu es fâchée parce que il y a longtemps que je l'ai fait. Pourquoi tu ne m'as pas dit depuis? Donc il y a longtemps. Moi, je pense que ça fait peut-être 2 mois. Donc, tu as annoncé que tu étais en 3 mois. Donc, on se parle. Mes félicitations. Merci. Mais le truc, c'est quoi? Parce que j'en avais parlé à Marc. Bonjour, Isabelle Vanon. Elle m'a tout parlé.
Mais Marthe ne peut pas me parler de ce genre de choses parce que tu sais, Marthe, c'est une personne. Tu as appelé les gens, tu leur as dit je me suis moquée de ta grossesse. Ben, je ne me suis jamais moquée de ta grossesse. C'est les gens qui me l'ont dit parce que moi, je ne suis pas au courant. Parce que c'était un jour après. C'est les gens qui me l'ont dit, effectivement. Après, toi, tu fais le direct. Tu avais le test de grossesse. Après, tu disais que tu es enceinte et tout. Voilà, toi, tu fais ta comédie comme tu fais ta comédie. Après, ils m'ont dit bien sûr, c'est parce qu'elle t'a annoncé que tu étais enceinte. Donc, du coup, le jour d'après, elle fait ça pour te narguer, pour dire qu'en fait, tu étais enceinte. Et là, je me suis mise en colère, mais moi, je ne te connais pas. Parce que après, je t'ai parlé. Parce que je sais que Marc, c'est ta personne. Mais quand elle m'a appelé, moi, je lui avais parlé. Je lui ai dit, mais dis-lui d'arrêter ce qu'elle est en train de faire parce qu'on ne rigole pas avec une grossesse. Mais une grossesse, c'est un bonheur dans la vie. Une grossesse, ça, c'est quelque chose de bien. C'est moi, j'avais un retard. Attends, moi. M'énerve un point. Oh, pourquoi vous avez de m'appeler? Heureusement que j'ai bloqué son numéro après. Parce que franchement, oh, c'est même pas avec les... excusez-moi, hein, ça, c'est les trucs de YouTube. Parce que le truc, Léa, sur YouTube. C'est les gens de YouTube qui ont fait. Voilà. C'est les pubs de YouTube là. Attends, moi j'ai fait mon test de grossesse et je voulais annoncer à mes abonnés. Elle a fait son test de grossesse. Je voulais annoncer à mes abonnés que j'étais enceinte du papa. De... Tout le monde va être enceinte. Hein. T'es pas la seule que c'est enceinte, c'est le bonheur, c'est ton bonheur et le bonheur de ta famille. Je peux pas dire que c'est une fausse grossesse. Attends, je peux pas te dire. Elle a fait. Je m'intéressais pas à toi, je parlais pas de toi en fait. Non, tu mais parlais pas de moi. Je l'ai pas venu sur ma page. Et pourquoi tu n'as pas. Mais franchement, mais Victoria, mais ce que tu dis là, franchement, ça n'a même pas de sens parce que les gens sont venus te raconter des conneries. J'ai jamais fait un test de grossesse. Pourquoi tu m'as enregistré? Attendez. Bah oui, bah en tout cas, les gens l'ont pris comme ça. Attendez, pause. Attendez, pause un peu. Ce que tu dis là, ça n'a même pas. Mais ce que tu. En plus, elle parle tout doucement, comme un petit agneau. Mais ce que tu dis là, ça n'a même pas de chance. Je ne faisais pas ça par rapport à toi. Je faisais ça pour dire au père des abeilles, parce que j'avais un retard, parce que le père des abeilles voulait savoir. Mais attendez, vous voyez comment elle est? Même dans sa bêtise, elle a vraiment l'air d'être sérieuse. Alors que vous savez que cette femme, le cerveau ne donne plus. Maman, je vous dis que cette femme, il faut vraiment l'interner. Il faut l'aider. Donc, même dans sa bêtise, elle y croit. Donc, elle a fait ça vraiment parce qu'elle avait vu, ma publication sur ma grossesse. Un jour après, elle vient aussi faire sa part. Elle a le test de grossesse comme ça dans ses gros ballons, ces gros trucs-là qu'elle appelle sein là. Elle a mis la poitrine comme ça. Moi, ma poitrine, elle est... Ma poitrine à moi, c'est une poitrine qui est naturelle. D'accord? Elle vient avec ce gros ballon. Elle met le test de grossesse comme ça. Elle présente le test de grossesse avec sa poitrine. Je suis enceinte! Je suis enceinte! Je suis enceinte! C'est un concours? C'est un concours? Tu n'as pas honte? Et en plus, elle vient dire... est-ce que moi, je pouvais d'abord imaginer qu'elle est en train de m'enregistrer? Est-ce que je pouvais m'avoir... J'étais à des années-lumière de penser qu'elle pouvait m'enregistrer, puisqu'elle rappelle, c'est elle qui me rappelle. Pourquoi elle m'a rappelé? Elle m'a rappelé ma Soudjé. Tu me rappelles pourquoi, Flore? Tu me rappelais pourquoi? Hein? Tu me rappelais, c'était quoi ton but? Tu voulais m'enregistrer pour me ridiculiser par rapport à quoi? Tu n'as pas honte? Parce que j'étais bloquée? Parce que moi, je te dis que je ne t'aime pas. Je ne vais jamais t'aimer. Fiche-moi le camp. Je fais mes trucs sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Tu ne m'intéresses pas. Je ne te suis pas. Je ne te suivrai jamais. Je vois ce qui se passe sur les réseaux comme tout le monde. Nous sommes des spectateurs. Nous sommes tous Camerounais. Je ne vais pas t'aimer. D'accord? Je te méprise. Abîme-toi. Donc, fiche-moi le camp. Pourquoi tu étais obligée de lancer le direct pour venir me ridiculiser que soi-disant, voilà une autre qui m'appelle et gnoc-gnoc. Tu as vu alors comment je t'ai ridiculisée? Parce que j'étais bloquée. Les gens disent que c'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai appelé quand? À quelle heure? Tu t'avais bloqué après? Pour moi, c'était fini. Je te dis, je t'ai ordonné de ne plus parler de moi, de ne plus envoyer tes mouches dans mes inbox. C'était tout. Abîme-toi. Ça s'arrêtait là. Et je t'ai bloqué après. Depuis, est-ce que je ne suis même pas au courant si tu viens encore sur mon WhatsApp. Je vous jure. Voilà ma Bible ici, c'est dimanche. Voici ma Bible ici. Je vous jure. Depuis là, je n'ai même plus regardé.
Je n'ai même plus regardé son numéro. Je vous, hein, si je manque, je meurs demain. Je suis enceinte, non. J'ai deux vies, hein. J'ai deux vies. C'est que tellement que je m'en bats les têtes de sa vie, tellement que je la méprise. Tout ce qui concerne, c'est que je m'épique, que je n'ai même pas envie, et que je n'ai même pas eu haine, parce que je ne peux pas aimer, avoir la haine contre quelqu'un, c'est lui donner trop d'importance. Je n'ai pas de haine contre elle. Elle ne m'intéresse pas. C'est juste, je la trouve insignifiante, en fait. Elle n'a pas d'utilité pour moi. C'est juste par rapport aux vues de Facebook. Abimte, s'il n'y a pas les vues là, où vous discutez les vues, quand elle est suivie, tout ça, les gens la suivent parce que c'est une bordelle. Les gens la suivent parce que c'est une pourriture. Les gens la suivent parce que c'est une crapule, parce que c'est une vendeuse de piment, parce que c'est quelqu'un qui vend le rêve, parce que c'est quelqu'un qui part dans toutes les soirées, qu'on utilise, qui est une buveuse, qui est une alcoolique. Mais attends, aimez-la pour ce qu'elle est. C'est votre droit de l'aimer parce que c'est une droguée. C'est une droguée, dis donc. Elle passe sa vie dans les histoires de drogue, les histoires de... On appelle ça comment? Les soirées pour aller danser, pour aller boire les champagnes. Je la vois, moi, j'ai pitié d'elle. C'est une dame que, normalement, aujourd'hui, elle aurait dû être comme les Emma Loès, même la coach Armand Chic. Mais elle encourage ici tout ce qu'on appelle la violence entre les femmes. Elle encourage tout ce qui est mauvais. Mais suivez-la, c'est de votre droit, mais j'en ai rien à foutre. Et pour vous dire que je ne cherche pas les pourries vues de Facebook, je ne cherche pas à lécher le cul, excusez-moi du terme, je ne cherche pas à lécher le derrière de qui que ce soit pour avoir les vues, jamais. Ça fait déjà des années que je suis là. Si je voulais ça, j'aurais ça. Je vous dis que je fais comme ça et j'ai les vues que je veux. Mais moi, je veux les personnes normales qui sont psychologiquement stables pour me suivre. Je ne veux pas la pourriture dans mes directs, non. Je veux les gens qui sont sensés comme moi. Moi, je suis une cadre infirmière qui se respecte. Donc, elle a fait ça, on va continuer par rapport à ça là, parce que quand on a fini, elle me rappelle, parce que tellement que, je pense que peut-être qu'il y a une admiration vis-à-vis de moi, mais ce n'est pas réciproque. Ce n'est pas réciproque. Donc, quand je l'ai bloqué là, je n'ai même plus regardé après. Mais elle, il fallait absolument qu'elle m'enregistre, qu'elle lance le direct pour m'enregistrer, pour dire qu'elle m'a appelé, parce qu'elle m'a appelé. Tu vois comment tu es ridicule? Tu n'as pas assez de mouches qui te respectent. Pourquoi tu as besoin de moi? Tu as besoin de mon amour par rapport à quoi? Tu as besoin de mon respect par rapport à quoi? Il te sert à quoi mon respect? Mon estime par rapport à quoi? Non! On va finir. Après, je vais quitter parce que ma batterie déjà là est en train de quitter mes jambes. Je vais bientôt finir. Parce que ma sensibilisation a été faite comme je voulais. C'était vraiment pour vous dire que non à la violence faite aux femmes. Mon truc là, même où? Oh, attendez. Voilà. Pour dire que je ne suis pas enceinte, c'est comme avec vous, là, le mensonge, là, la même chose, parce qu'ils ont pris, au mot. Oui, mais. Écoutez, hein. Mougou, il a même dit qu'il est sorti avec toi, hein. Je pensais que c'était ton mec aussi. Hein. Ça. Arrête. Même, je pensais que c'était ton mec. Si tu es enceinte, c'est une très bonne chose. Arrête, Flore. Ouais, comment je lui ai pas dit que. Arrête, Flore. Stop. Oui, mais je te dis que tu es enceinte, c'est bien. Moi, je n'ai pas fait par rapport à toi. Franchement, j'ai pas. Bah, moi, je veux seulement qu'on arrête. Parce que franchement, dis à tes mouches d'arrêter. Parce que moi, personnellement, quand ça touche à ma vie privée, parce que là, c'est ma vie privée. Parce qu'ils sont venus t'agresser, les abeilles, ils t'ont agressé. Ouais, comment elle rit? Allez, sérieux? Je savais pas. Parce que ça fait longtemps que je te vois plus faire les lives et tout. Hein. Bah, parce qu'ils bloquent tous mes comptes, c'est normal. Oh là là. Ils sont méchants, donc ils le font. Moi, je ne vois rien. Moi, je ne te suis même pas. Je ne te suis pas. Ah ouais. Ah oui, c'est bizarre. Cette femme. Avec les voix. Vous avez les voix des gens qui ont déjà tellement fumé. Je trouve que c'est pas
problème, c'est que. Oh, en fait, bonsoir, grande sœur. Edith Wallem. Ça me fait sur ça, tu sais pas. On ne connaît pas. Non. Bisous, mon chat. On ne connaît pas les choses comme ça. Moi, bisous, je ne sais pas ce qui se passe. Franchement, je te promets, je ne te suis pas. Pour te dire vrai. La vous avez entendu? Non, je ne sais pas pourquoi chaque autre. J'ai dit que je ne te suis même pas. La veille, là, elle vient toujours me provoquer. C'est quoi, en fait? Oh là là. Oh ah oui, non, franchement. Non, vite, elle poussait tranquillement. Parce que, ouais. Oui, parce que franchement, à un moment donné, ça fait trop. Oui, pour toi, attends, pour toi, tu penses que parce que tu as annoncé que tu es enceinte, et moi, je viens annoncer que je suis enceinte, ça veut dire que moi, je te provoque. C'est, ça, c'est quand même c'est quand même bizarre comme coïncidence. Ouais, comment je parle, non. Après, il y a des là, vous voyez, non. Multiplié sur la toile. Que, dans fait, tout ça, je ne savais pas qu'elle m'enregistrait. En fait, je sais, depuis quand on fait en fait une grosse fête, quoi. Oh là là. C'est dans quel monde? Mais dans quel monde vous vivez, en fait? C'est toi qui es médecin, non? Bah, ouais. Je suis infirmière, médecin. Ah ouais, c'est bien. En tout cas, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Vis voilà, bien ta grossesse, d'accord? Voilà, merci beaucoup. Voilà, okay. Tout ce que je te demande, il y a des personnes de me laisser tranquille, tu me fous à terre. Mais quand tu es sur Facebook, tu sais que tu es une star, non? Si tu es sur les réseaux, les gens... Tu es une star, non? Tu es direct. Eh Dieu. Mais je sais pas, je sais pas, ah ouais, mais tu fais les directs depuis, là. Tu fais direct, tout ça, c'est normal. Vous entendez? Ça ne veut pas dire qu'on est... Je suis patriote. Vous entendez la bassesse? Non, il faut que je l'arrête même, c'est bon. Il n'y a plus rien de bon. Ah ouais. Tu sais que tu es une star, non? Tu fais les directs, tu fais les directs. Non, mais imaginez-vous à quel point on peut être bête. Quand je vous dis que cette femme, elle a perdu complètement le nom. Quelqu'un t'appelle pour quelque chose de sérieux. Mais tu es toujours là pour narguer. Parce que pour toi, tes vues là, c'est ça qui te rend forte. Tes vues là, c'est ça qui te rend quelqu'un. Et pourtant, tu es zéro. Et que le cerveau est pourri. Tu n'as rien dans la tête. Tu n'es pas quelqu'un que je peux prendre au sérieux. Tu es un clown des réseaux sociaux, Flore. Tu es un clown. Je ne peux pas respecter la pourriture comme toi. Une crapule comme toi ne peut pas se faire respecter à cause des vues. Vous êtes malade. Si je voulais, là, je serais déjà devenue ce que beaucoup là deviennent parce qu'ils ont soif, ils sont assoiffés de vues. Non! Ça, ce n'est pas ma logique. Jamais, au grand que jamais. Hein? Je préfère encore me kill que de venir vers toi parce que je veux les vues. Tu es malade. Vous êtes devenu complètement timbré. La sorcellerie de Facebook vous a pris comme ça dans un nid. C'est un euphémisme. Vous n'allez jamais me voir là-bas. Pour conclure mon direct, parce que bientôt ma batterie est finie, ma sensibilisation, c'était ça.